Yallo les gens, ici Zalog, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture de produits que je n'ai jamais présenté sur ma chaîne auparavant, qui sont les mini Teambox Pokémon. Avec la série, donc avec l'illustration de Palartichaud, Lansorien, Galopade Galar, Dixon de Galar, pour terminer le Salarsen. Donc le déblistage des mini Teambox est fait. Donc le contenu, il y a donc les 5 cartes qui représentent comment dire le couvercle de la boîte. Donc je vais pas vous les représenter, ça ne servira à rien. Ainsi que 5 jetons Mewtwo, puisque c'est un jeton par boîte, donc là j'ai eu 5 fois le même. Et 2 boosters par boîte, dont un d'invasion de karma et l'autre de ténèbres embrasées. Et donc, à ma grande habitude, nous allons commencer donc par les plus anciens, donc qui est invasion de karma. Voici le code qui est pour vous. 1, 2, 3, 4. Et donc c'est parti avec un Diama, terrain dévoré, Spectrum, étourmi, écrapince, pitrouille, Tritox, Barpo, Maneuf en reverse. Et d'ailleurs nous avons un Camerupt en rare. Deuxième booster, 1, 2, 3, 4. Et c'est parti avec un Misdibule, énergie riposte, Tritosaur, Carabingue, Soloshi, Malos, Sapero, sans coquille, Écrapasse en reverse. Et d'ailleurs nous avons un Altaria en rare. Le troisième booster est le code qui est pour vous. 1, 2, 3, 4. Énergie riposte, Tritosaur, Rang Combat, Barpo, Bébé Kai, Starry, Galekid, Remoraid, Galekid en reverse. Et d'ailleurs nous avons un Colomar en rare. Nous arrivons au quatrième booster. 1, 2, 3, 4. Et donc on commence cette fois-ci avec un Gladio, Pashmia et Crémeux, Chanchidou, Chamallow, Marcacrin, Tilton, Escargôme, Aspico en reverse. Et derrière nous avons un petit peu de suspense. D'ailleurs nous avons un deuxième Colomar en rare. Eh ben dis donc, si c'est pas de la chance, nous arrivons au dernier booster de Invasion de Karma. 1, 2, 3, 4. Et donc c'est parti avec un Nemolga, Groray, Pashmia, Carabingue, Eoko, Feu Forêve, Nounourson, Barpo, Chelours en reverse. Il me semble que c'est une holo reverse. Bon, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que c'est une holo reverse. Et derrière, nous avons un ectoplasma holographique. Qui malheureusement, j'ai déjà le ectoplasma holographique. Et donc maintenant, nous nous retrouvons pour continuer l'ouverture avec cette fois-ci les paquets de ténèbres embrasées. J'espère avoir un peu plus de chance. Parce que là, sur 5 boosters, juste avoir une holographique, ça fait cher payer. Et donc c'est parti avec le premier booster de ténèbres embrasées. Trio Picker. Volute de fumée. Énergie chaleur. Étourmi. Hermure. Feuillageou. Dynavolt. Passe rouge. Delcati en reverse. Et derrière nous avons un Lugia en rare.
Donc le deuxième booster de ténèbres embrasées. Et c'est parti avec un Floatoutan, Smatching, Ornithologue, Barpo, Chacripan, Hippopotas, Fouinette, Pyronille, Paras en reverse. Et derrière nous avons un... Enfin! Enfin une V! Enfin une V! Qui est autre que Cisaiox. Enfin! Et donc c'est parti avec le troisième booster de ténèbres embrasées. 1, 2, 3, 4. Galifeu, Étourvol, Diamma, Quanton, Carabingue, Darumaron de Galard, Ambrilex, Goupilou. Qui d'ailleurs ça devrait faire plaisir à Losiata ça. A mon avis, je pense que oui. Galekid en reverse, et derrière nous avons. C'est une V. Coup sur coup. Et c'est Lucian. Il me semble que j'ai tiré les deux seuls V que j'avais. Je vais aller vérifier parce que là, ça sera le comble ça. A few moments later. Mes craintes se confirment, c'est bien ce qui me semblait. Le Cisaiox et le Lucanon, je les avais déjà. Ah, c'est pas de peau. Pour une fois que j'avais un peu de chance, il fallait que je retombe sur les mêmes. C'est pas grave, ça partira à l'échange. Donc, l'avant-dernier booster de cette vidéo. Hop, c'est parti. Floatoutan, Smashing, Ornithologue, Brindibou, Froussardine, Charibari, Tefroi, Barpo, Lansargo en reverse, et d'ailleurs nous avons un Sucrène en rare. Et donc le dernier booster, 1, 2, 3, 4. Et donc on est parti avec une cloche familière. Gant d'épreuve, Clic, un seul lourdeau, Tic cette fois-ci, Vorastéri, Poussifeu, Étourmi, Galifeu en reverse, et derrière nous avons, allez hop, oh, Tocorico holographique. Cette fois-ci c'est sûr que je l'ai pas. Enfin, au moins une holographique cubique, enfin une carte un peu rare que je n'ai pas. Et donc mes amis, c'est la fin de cette vidéo. Comme toute bonne chose, ça a une fin. Donc pour le récapitulatif, donc on va déjà commencer par Invasion de Karma. Donc en reverse, j'ai eu un Neuneuf, un Nécrapince, un Galekid, un Nespico, un Chelours qui normalement devrait être une holo une holo reverse, enfin si toutefois je dis pas de bêtises hein. Ensuite en rare, un Camerut, j'arrive pas à le prononcer, Altaria, deux Colomars du coup sur coup, et pour sauver un petit peu l'honneur d'Invasion Karma, en holographique, un Ectoplasma. Et donc ensuite, je suis quand même content parce que sur l'ouverture de Ténèbres embrasées, j'ai quand même eu beaucoup plus de chance que sur celle d'Invasion Karma. Donc en reverse, j'ai eu un Delcati, Paras ou Para, Galekid, Lansargo, et pour terminer, un Galifeu. Ensuite, au niveau des rares, j'ai eu un Lugia,
ainsi qu'un Sukren. En holographique, et j'aime beaucoup l'illustration, ce que je regarde vraiment bien, et que j'aime beaucoup, le Tocorico. Et ensuite, pour terminer, deux ultras, deux cartes que j'ai déjà. Mais bon, c'est pas grave, parce que ça partira soit à l'échange ou alors sur mon compte Vinted. D'ailleurs, je mettrai le lien dans la description de mon Vinted si vous voulez voir un petit peu ce que j'ai à vendre. Donc, il y a le Lucanon V et le Cizayox V. Donc voilà, ce récapitulatif qui met fin à cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper mes futures vidéos. Dans la description, vous retrouverez le lien qui vous emmènera vers mon Instagram ainsi qu'à mon compte Vinted. Et sur ce, les amis, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.